Welcome to SFB News <laughs> people! Like! Share! <laughs> I'm on the street <laughs> Alright guys! We are back! SFB News! First week! Déjà t'anné! <laughs> On est avec Spenty, What's up, What's up, Misogod. et puis Casanova, Phillips. Il <laughs> yes. main. Tout le temps, tout le temps. Le mic s'en vient, ouais. le mic s'en vient. La deuxième oh. caméra s'en vient aussi. Exact, exact. Week one of football, on a regardé toutes les games de 1 heure à date. Là, il y a les games de 4 heures qui jouent euh, à cause de mon horaire euh, bizarre. Euh, euh, on, a peut des, des... Oh, on peut regarder toutes les games de 4 heures, mais on les écoute live. Ça se passe très très bien. Euh, Nos bêtes par contre tu as <laughs> mais les fantaisies sont, sont non, Les sont cute ok il y a eu beaucoup d'upset pour un week mm. one on va commencer avec le home opener il y en a eu deux il y a eu deux upset ben il y a eu les bounds ok non c'est trois avec des trois ok ouais ouais trois il y a eu trois gros upset on va commencer avec la première qui est en passant je veux vous dire like subscribe share <crisse> follow all the <crisse> time <crisse> bon on va commencer avec le premier upset, le home opener, qui était le euh, Thursday Night Football. Thursday night, yeah. euh, Chief contre Lions. Euh, la game a terminé 21 à 20 pour les Lions. Euh, Je vais laisser euh, Mizogod parler de, <laughs> ce, de ce upset. Vas-y. Euh, Je vais pas dire c'est... Oui c'est un upset, mais c'est plus un letdown. Mm -hmm. euh, les gars ont juste. Les gars en parlant de Calarius Tony. Il est pas venu jouer pour. Il est pas venu jouer pour euh, Patrick Mahomes. Les les Lions les Lions ils, ils voulaient gagner cette game. Et début de game euh, je pense c'était dans leur ligne de 20. Quatrième essai ils ont fait un, un fake punt. Ils ont run la balle. Ils ont eu le first down comme c'est fou. Puis tu vois que comme ils ont sorti tous les plays de, de leur playbook pour faire comme mm -hmm. chaque vert qu'ils pouvaient. Puis malgré ça tu vois que les Chiefs pouvaient juste comme gagner la game. Jusqu'à quand Calarius Tony, on lui donne sur un drag route, on lui lance la balle direct dans les mains. Il a fait un rebound comme s'il si avait voyé ça sur le bord de, de, <laughs> <board> de basket. Il a l'affaire un dans les airs, Pick Six. Puis après ça, c'était fini. Là. Euh, so pour moi, oui, c'était upset, mais c'est vraiment que. You know, Patrick Mahomes avait juste pas d'option. Ouais, exact. Option. Exact. Mais moi, je crois que Lyon était audacieux aussi. Euh, avec leur fake punt. Ouais. Moi, la, la question qu'on qu qu va poser, c'est en tant que coach, comment tu te sentirais si on te fait un fake punt dans la face En tant que joueur, tu veux dire. Comment En tant que joueur. En tant que joueur, coach, tu qu fais ça. Plus, en tant que joueur, ça oui. Tu, tu colles un fake punt à la ligne de 20. C'est pas audacieux Comment tu te sentirais Bon, c'est comme. On, on, puis c'est comme... les Chiefs, là. C'est pas, pas, pas comme si c'était les Patriots ou les. les... I don't know, les Buccaneers, là. on parle des, des, chi des Chiefs. Comme j'allais comme dire, on a, vu, on a vu les Broncos commencer avec onside kick. First, first play of the game. Aujourd'hui? Oui, Aujourd oui. Il, il a, a eu. comme Il a eu, eu, a eu wow. coupé, So, je veux dire, first, first game of the season, essaye, bro. T'as as quoi à perdre? T'as 17 autres games à jouer. Pour moi, je pense que quand tu fais des erreurs de même, ça, ça, ça veut dire que tu sais que t'es capable d'exécuter dans les trois premiers essais ou t'es capable de. Il faut wow. des... Moi, c'est comme ça que je le vois. Moi, je vois ça comme... Oui, ça donne un belief, mais à la à the end of the day, c'est still a weakness. Tu sais que tes gars ne sont pas capables d'exécuter sur le 3-5 que tu as besoin ou durant la game si tu as besoin de faire des extra... extra stuff d'une mm -hmm. game qui n'est pas importante comme ça nécessairement parce que ce n'est même pas en playoff. Moi, moi, personnellement, j'ai trouvé que le first half, c'était complètement les lions. Ils ont dominé. Je veux dire, leur offense roulait, la défensive des Chiefs c'était pas capable de les arrêter. Ouais. Voilà ce que Pis... time on dirait que les Chiefs sont revenus championship mentality. Là, la, les, les Chiefs vont gagner, on peut savoir. Oui, mais je veux dire les Lions roulaient comme la balle quand même bien, même sans le point, le fake point. Puis second half, on dirait que la défense des Chiefs s'est réveillée. Puis malheureusement pour eux, mon gars, leur wide ils ont juste pas de weapons. Mais ça leur a pu facilement faire que les Chiefs gagnent parce que les Lions, pour moi, je pense qu'ils vont gagner leur division. Puis ça va être une, une team tout. Coup. Quoi? Oui, ça va être une team que on va devoir checker pour derrière parce que les Lions sont, sont sous ça pour derrière. Comment? Les, yo, Amon St. Brown, les Il deux va running backs. Ils ont gagné leur division. Qui qui va les battre? Les Packers? Bah, c'est eux, eux les favoris, là, je pense c'est les Lions. Les, les Vikings? Les Vikings, après qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui, tu vas donner les Vikings division leader? Bro, c'était nah. une game, puis que les Chiefs, euh, euh, Butterfinger, Tony. Euh, euh, yo, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit « ok, ils ont, ils ont battu les Chiefs, good. Vous avez une victoire, vous n'étiez pas censé avoir. Exact. Mais qui qui va les battre dans la division? Vikings. Non. Même si Vikings a lancé des mangos, euh, même pas des mangos, il a pris des mauvaises décisions à des moments et lancé quelques mangos parce qu'il y a quand même des stats là. Il y a quand même des stats. Des Faut pas que tu oublies euh, oublie. que, oublie que c'est les mêmes Vikings qui avaient un point differential <laughs> trash l'année passée puis qui ont managé <laughs> de win toute leur game avec des fourth quarter drive. Cette année, on l'a vu. First game, first fourth quarter drive. Il n'a pas été capable de le faire. So, yeah. L'année passée, Good Luck était de votre bord. Maintenant, cette année, on va voir qu ce que ça va donner. Moi, les Lions dans la game, je l'ai vu. Ils ont fait le punt. Ils ont drive le field. Rendu <laughs> dans le red zone, ils ont struggled. Ils ont fait de, des turnovers. Euh, les Chiefs, pour le reste, c'est juste. Ils n'avaient ils avaient pas d'option à qui lancer la balle. Puis ils n'ont pas de run game. Le, le coach, je vois pourquoi, il ne voulait pas courir. Yo, euh... Patrick, quoi mm -hmm. a eu aucun... <laughs> Aucun... Un, mais, un attempt, quasiment. Pour moi, genre, oui, c'est une team intéressante à avoir parce qu'ils essayent vraiment de gagner. Ils, ils ont des playmakers, ils font des points ils, comme ils veulent jouer. Mais, euh, est-ce qu'ils sont favoris pour gagner la division? Mais je pense que c'est en eux et pas que... Comme... Vikings, je ne veux rien savoir des Vikings. Monobus. Um, j'espère qu'ils finissent dernier. Oh, waouh! <laughs> en dessous des wow. bears! En dessous des bears, j'espère qu'ils vont gagner de ton <laughs> équipe ici. <laughs> mais parce qu'on va revenir sur quelques cousins tout à l'heure, mais. Ouais. Euh, moi, c'est entre Viking et. Ben, euh, non, entre Lyon et, et les Packers. Oh, Packers. Packers. Packers, ouais. Avec, jo avec Love, là? Ouais, avec John Love, ouais. C'est les deux. Moi, c'est les deux teams qui vont compter. Love, Love est pas à commencer un leader pour amener son équipe à grave, là. C'est pas grave. Il faut un leader, il faut un leader T'as pas besoin et... de beaucoup de wins pour gagner la division dans cette. Euh... Ouais, prochaine question que j'avais pour vous, guys. Qu'est-ce qui est pire Parce qu'on a vu avec la performance euh, des, des Chiefs et aussi la performance euh, des. Euh, je prends. Je vais prendre les euh, Bengals. Non, exemple, c'est exemple aussi. Vous fait ça avec beaucoup. Euh, Bengals, ils fait ça, quoi. Okay, so, ouais. Ok, pour ça, quoi. Ouais. So, euh, je prends cet exemple-là. Qu'est-ce qui est pire Avoir une trash line ou avoir des receivers avec des butterfingers je vais commencer avec dire que pour vrai, guys, euh, avoir des virus avec des bottle c'est pire. Pourquoi je veux dire ça? Avant, j'étais beaucoup gars au line. J'étais beaucoup gars online, mais regarde ce que ma a fait dans ses first years. Il y avait pas de line il s'est rendu super loin au Super Bowl. Bengals, same, same thing. Ils ont still pas d'au line Et là où oui, il a la game contre les Browns, ils ont pris le prix. Mais euh, les années passées, ils sont rendus super loin en playoff, quasiment au Super Bowl. Bah là, au Super Bowl, ils ont perdu. Ils ont perdu. So, à cause des dernières années, les teams sans online se rendent quand même loin avec un bon receiver, receiving squad et un bon QB. Ça veut dire que les online n'ont pas vraiment besoin de tout être boosté. Tu peux en avoir un ou deux, ton back, ton back, euh, back shoulder, c'est ça qu'on dit? Back shoulder, puis un bon snapper, un bon center, you're good to go. Mais si t'as zéro receveur. Tu veux dire blindside, mais. Blindside, blindside. Left tackle, ouais. ouais. left tackle. Ouais. Ouais, euh, blindside, ou excuse-moi, si t'as zéro receveur. Tes, tout est lancé, va dans le beurre, tu peux pas avancer le ballon, là. Yeah. Je veux c'est dur de dire que t'as aucun receveur quand tu joues NFL. Ben, chief. <laughs> 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 euh, non, yeah. On a vu ça un peu. I mean, I mean first you hand. got a point. Yo. Sans Kelsey, c'était tough. C'était Sky Moore a pas step-up, Tony n'a pas step-up. Yep. Euh, scal scalding, basket, uh, Vasquez, va, va, yeah, step up. <laughs> les Titans depuis les dernières années. Bon, l'année passée. Dior a, y a, y a pas joué une bonne game cette année. Non l'année passée, sans receveur. Et Jibon a plus de, de, de réception et de que tous les receveurs de, des Titans ensemble. Ensemble, ouais, je suis d'accord, mais je veux dire, <laughs> c'est pas méchant, quest que ça les, les Titans c'est le prime example. Ils ont une bonne o line, mais ils ont pas de wide. Ça leur fait mal. Non, je vous as, tu t'as raison, t'as as, as marqué, t'as as fait un bon point, man. Ouais, moi aussi, je suis sur le. Tes receveurs à pas. Parce que quand t'es QB, même si t'es une mauvaise o tu sais que as une mauvaise o Tu peux sais mm -hmm. te préparer mm -hmm. à lancer la balle quick. Yeah. Tu peux faire des Squimble. jeux comme si t'es en contrôle quand même. C'est mm -hmm. juste quand tu dois faire des deep shots que c'est dangereux mm -hmm. parce qu'ils ont le temps d'arriver sur toi. Comme Tom Brady, il a toujours lancé le ballon dans, dans, dans 3 secondes. Là, mm -hmm. sur, le, le, la o n'a pas. Comme la d n'a pas le temps d'arriver, Exact. Quasiment pas le temps d'arriver. Mais si comme tu lances des dimes puis le bike le traverse les mains du receveur frappe et son et casque et et oh. il, 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 le ballon type dans les airs pique, pique. Comme, puis là ça donne un pique six parce qu'il y a personne qui est là pour faire le tackle comme l'online on, au pire tu prends un sac si tu fais pas de fumble ben, c'est fini tu vas finir fini par punt mais il y a des receveurs qui sont tellement trash que yo, ça donne des pique six là, comme exactement sur, et ouais. ça ça l'a fait mal je suis ouais, d'accord as, as marqué un bon point ouais. mais il faut des receveurs des wide. Hein. Il... il faut au moins un un gars reliable qui peut catch les boules. Voilà. Moi, moi, je dis deux. Ça, ça c'est la question vient de poser après. Combien com t'en faut de receveurs. Un. Un, un. Tu dis deux. Moi, il en faut minimum deux. Moi, un. je dis un. Kaza, Kaza dit il en faut au moins deux. Mais... Vas-y. Vas <laughs> Voilà, ah t'es dead. Good point. Uh, Good point. Le pass. jeu que un se blesse, t'es done. Moi je dis yes. deux. Comme les Vikings, même si ton QB est fucking trash. Tu Kirk Cousins, I do not rate Kirk Cousins at all. <laughs> Mais t'as Justin Deverson, Addison. Euh, t'as plein d'autres teams qui ont deux wide. Comme faut au moins que t'aies deux, un star et un bon backup. Mais moi, ouais. ce que je veux dire, quand je dis un, c'est pour fonctionner. Mm -hmm. Dans un monde où il n'y a pas d'injury, là, t'en faut un. Ouais. T'en faut un sous-terrain. Absolument. De base. Comme même si t'en as deux, c'est parce que les deux ne peuvent pas catcher la balle en même temps. Genre, comme il en faut au moins un. Parce qu'après ça, on va dire un running back ça balance le yeah. shit. T'as mm -hmm. un bon le, running back. T'as un Derrick Henry comme live là. T'as un Derrick Henry avec Hopkins que tu sais qui est sûr pour attraper la balle. C'est mm -hmm. correct. Je dis pas que tu ça as être boosté, mais ça balance le shit. T'as pas besoin de seulement avoir deux receveurs. Ou trois. Ou t'as... Voilà, c'est posé. Ouais, ouais, ouais. Ah, t'as besoin d'avoir un Batman à son Robin. Ouais, je comprends. Et pour dire dans la NFL, les gars, ça fait pas double team. Demandez, je sais pas a, pourquoi. Regarde Cassie. Regarde Chase. Et regarde regarde Cooper cup. cup. Les gars, c'est double team. Regarde Jefferson, il y a première game, 150 oh, verges. E c'est fini le temps où tu voyais vraiment deux DB yeah. sur, hein? sur un gars, c'était Megatron. Non, là, tu as, as du safety help on top, mais tu ne fais jamais de vrai tu... double team sur mmh. un, un wide. Mais de toute façon, les, les, les offenses, ils vont skim open leurs joueurs. « Ok, tu veux le en d'outside, je le mets dans le slot, puis rendu dans le slot, il peut faire ce qu'il veut. So. » Pour ça, que je dis, il n'y a plus vraiment de double team comme dans le temps de Megatron. Dans le temps de Megatron, il mettait hmm. vraiment deux DB sur lui. J'en ai là. déjà vu trois. <rire> <rire> avec, avec Safety Help. Y'a Sylvie fait ta jambe. a Sylvie <laughs> à ta jambe, <laughs> la boue <laughs> sur la tête <laughs> des gars. Next question. Bon, après la game de Browns-Bengals, euh, les, les saisons passées à SFB, puis PisPenty étaient des gros gars de Deshaun Watson. Moi, j'étais un gros hater de Deshaun Watson. Pas parce que je ne l'aime pas comme joueur, mais parce que les gars ont dit que c'était un, un futur All-Star. Moi, j'avais dit non. C'était un All-Star. Bon, C'était un, un All-Star. Moi, j'ai dit il n'y a jamais rien fait pour que je le reconnaisse je... en tant qu'All-Star. Là, la game d'aujourd'hui. Tu n'étais pas familier avec cette game. Non, oui. Mais son game a disparu. Tu vas peut-être familier avec son game. Donc là, ouais. Après la performance d'aujourd'hui des deux, c'est une victoire des Browns, donc une victoire de Deshawn. Est-ce que maintenant, vous pouvez dire que Deshawn est meilleur que Joe Burrow? Non, tant on n'a jamais dit ça. On jamais Mais... ça. Non, 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 je sais que t'as jamais dit ça. Moi, je te <laughs> pose la question. Non. Est-ce que... Non. 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 La question ça devrait être qui était le meilleur QB aujourd'hui. OK, qui était le meilleur QB aujourd'hui? Deshawn. Burrow. Wow! OK! Oui. Dans, dans quel monde? <laughs> Are you... Dans le monde que... <laughs> Euh, bureau il sortait de sa blessure, il n'a pas pratiqué de off season, il est, juste ouais, à, okay. il est juste arrivé, puis comme il a essayé de jouer, tu vois qu'il y a un manque de chemistry, puis ses receveurs n'étaient pas là pour faire les tough catch. To Higgins, ça c'est une affaire que je vous dis. Oh, oh Higgins God. cette saison, mm, c'est sa okay. dernière saison avec les Bengals, mm, le on oui. ne va pas le re-signer parce mm. qu'il veut un max contract, il veut être un number one lui si il veut. Zero les gars, gars, gars garde le corps pour Jammer Chase. Okay? De, Next year. Tu riettes de, de Tony, mon de Tony. gars? T. Higgins euh, a eu. T. Higgins est genre 6-5. Les contestés catch, on lui lance des jump balls. Puis il fait zéro effort pour catch la balle. Comme il N'importe quel DB se met entre lui puis la balle, puis il, il attrape pas le ballon. Okay. So. Okay. So, okay. Combien de targets il y a Je pense qu'il y a 8 targets, 0 so, catch. Pour moi, T. Higgins. Quand ils sont ils m'ont même pas les stats. Ouais. <laughs> si, si T. Higgins <laughs> si demande si comme du number one receiver money, il sera pas dans la team. S'il si dit OK, je vais prendre du number two. Mm -hmm. Mais, uh, mais okay. il va jamais être number one wide nulle part. Comme, I'm sorry, non, non. non je pense qu'il peut être un number one quelque part. Je, il... Parce qu'on va le poursuivre. Tu penses qu'il peut être un number one ou tu on penses qu'il va speed. devenir un number one Ben, euh... s'il va à Texan, il va être un number one. Ouais, Texan. Colts Colts. Col non. Colts. Ouais. Pittman est meilleur que lui mmh... Non. Oui. Non. Oui. Ça, parce que, quand Chase n'est pas là, Higgins est boosté. Quand Chase n'est pas là, Higgins fait des stats. C'est vrai. Facts. So... Pittman fait des stats avec aucun QB. Richardson a bien joué, là oui aujourd'hui il a bien joué mais je veux dire il a, il a fait deux ou trois années de suite qu'il a quand même eu mille verges et plus de Pittman sans pense, personne mais je, ouais. je pense que Higgins est meilleur que Pitman quand même non nah, moi, moi personnellement j'aime mieux Pitman bon, mais non, ouais, ils vont pas le garder dans la team mais ça pour dire que bro, bro en plus des fois il a vu qu'il y avait personne il lançait le ballon à terre mm -hmm. euh, comme j'ai vu faire comme des vieux shows mm -hmm. mais j'ai vraiment vu les receveurs si les receveurs étaient on aujourd'hui il y aurait eu beaucoup de catch parce que les passes qu'il lançait c'était des places que juste le receveur pouvait attraper le ballon Pax. par exemple euh, L'autre partenaire, là, Watson, ouais. les gars javais le field par la run. Ils arrivent au milieu de terrain. Tout d'un coup, oh je vais essayer de lancer des, des boules. Puis les gars lançaient des mangos. <laughs> euh... Son ah, pic, il... ah. c'est straight up un mango. Non, ils ont tiré la balle. J'ai regardé le replay, ils ont type la balle. Mais <laughs> la balle. malgré ça, je ne sais pas à qui il lançait le ballon. Quand non, même. il la <laughs> <plein. rire> Je ne sais pas à qui il lançait le ballon. Mais il a emmené à lancer à Murray Cooper. Murray Cooper, en plein milieu du field, il lance derrière. Puis Murray Cooper doit se retourner pour catch la balle. Mm -hmm. Euh, J'ai vu le gars manquer des choses Genre le gars est devant lui Puis il a lancé à terre Dans ses jambes Comme c'était horrible Allez Joe Burrow C'est juste Les gars qui ont pas fait les catch Je suis d'accord avec toi Watson C'était Comme des missed throws En un, un passe TD Le gars est wide open Dans le touchdown Il a lancé tellement short Il ne recevait pas plus pour Le catch Comme il a, ça a traversé ses mains Mais s'il avait bien lancé C'était <laughs> genre On <laughs> the run touchdown oh. mm -hmm. so, Pour moi euh... Leur passer rating Leur passer rating mm -hmm. Est similaire mm -hmm. Comme Nikki comme a dit leur, leurs deux games étaient comme pareils mm -hmm. on, va, on va pas leur enlever qu'il fait y il, il a beaucoup plus là-bas à, à Cincinnati mm -hmm. so, c'était vraiment dur de lancer la balle c'était vraiment dur de catch la balle on l'a vu bro il y a eu genre 3-4 fumbles des bad snaps yeah. euh, ouais, comme la divorce, c'est le running game mais c'est là je m'en vais parce que à comparer à Burrow le Watson a couru 50 verges j'ai marqué un TD ouais donc so, moi cette game-là je la donne à Watson ah mais Burrow c'est pas un runner là je sais que c'est pas un Il n'allait jamais avancer en courant comme ça. Sean Watson a cet avantage-là qu'elles les autres entend pas. Non, quand je dis. Quand je dis. Est-ce que ça se donne un avantage assez pour dire que. Euh, il y a une, plus, une meilleure journée. Il est plus mobile, une meilleure journée. Je dis pas qu'il est meilleur. C'est une meilleure journée. C'est run qui a fait. Était, il était en train qu'il pour sa life. Mais pour ceux. Ce qu'ils ont avancé, le ballon, c'était Chubb. Chubb, c'est le run de running game de Chubb before qui a fait qu'ils ont avancé de même. Les runs de. À part le touchdown, un des seuls touchdowns qu'il y a dans la game. <laughs> je, trouve pas que, je trouve pas que les runs de Watson étaient tant impactful que ça. Là. Je comprends. Mais regarde, moi après la game d'aujourd'hui, je dois aller du côté à Nicky. Moi je pense pas que Watson est aussi. Non. Nicky, euh, je pense que Burrow est un meilleur quarterback. Oui. Les balles étaient mieux placées. Même blessé, même en manque de chemistry, c'était mieux placé Et Deschamps qui l'a sauvé, il a dit c'est le running game. Deschamps a eu toute l'off-season pour nous donner ça. <laughs> parce que bro il, il vient de sortir il n'y pas il y a pas practice de l'été puis là il vient d'avoir son, 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 son oui. super contract le, mm -hmm. peu, le most, comme le plus payé de la nfl sur so il était pro probablement il est sorti avant il était sûr. comme on les bounces ice bro c'est sûr, que, ice les gars n'étaient pas si focus que ça puis il y a la game était horrible non, mais toute la game était trash. Je pense que c'était une belle Non, non, Les Browns ont joué une bonne défense quand Browns. Aussi, les gars des Bengals, ils ne personne, ils n'étaient pas shifty. Il y avait de la misère à attraper une balle puis à faire un snap. Non, mais dès qu'il a le ballon, c'était a été Ouais, mais je vous dis, la game, comme j'aurais aimé ça, je revois ce game-là, mais qui fait beau. Pas sûrement à la fin de la saison, je ne sais pas. On va la revoir. Aujourd'hui, c'était Watson qui était meilleur. C'est tout. Les Browns étaient meilleurs. Le bronze c'est le meilleur. OK. Next question. Mr Irrelevant. My guy. That's oh, a dog. He is, is him. Est-ce qu'il est pour you better? Non, you relevant, non, you relevant. Is cute but est-ce qu'il est pour niners? He is him. Continue. A finalement trouvé leur QB. Oui. Oh my goodness. Tac, what is it? Vas-y. commences? Mais tu vas y, -y. -y. commence. Dis-moi okay. pourquoi. Tu peux dire que Mr Irrelevant okay. est rendu relevant. Il n'est pas allé 7-0 l'année passée, quand il a pris le spot. OK. Y, il n'a pas, pas, pas dû perdre sa game parce qu'il est tombé en commotion contre les Eagles. On l'a envoyé en commotion. Dis-le dis correctement. OK, correct. il, on a, on a, il, a, il a perdu en playoff contre les Eagles à cause mm -hmm. qu'il y a, a eu une commotion. Mm -hmm. Puis il revient cette année. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il fait donner deux bonnes balles. T'as donné deux bonnes balles, le reste c'est des petites easy throws. Le gars, C'est le gars qui tu le terrain pour lui. Le gars, tu devrais changer son nom à Mr. Irrelevant à Mr. Efficient. Oh mon dieu. C'est pas le top, Efficient, efficient quand t'as tous ces weapons là. He's, He's, a a dog. Dog. He's a dog. C'est pas a dog, y'a tous les gars. He's a dog. Il est entouré de dogs. Mais, Mais, il qu fuit. Quand même qu il lance, Faut quand même qu'il lance la boule. Il Faut quand même qu'il lance la boule. Faut quand même qu'il lance la boule. Peu importe, faut quand même qu'il lance la boule. Je m'en fous, c'est qui c'est White. Faut quand même Il va en Il va c'est un QB professionnel. <laughs> non 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 non, non. J'espère que je lancer une boule. J'espère que je lancer une boule. Je jouerais pour les 49ers. Je ferais pas qu'est-ce que Brock Purdy fait. Yo bro, jadis beau, fais un hook. I got you. Non 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 non. He is him. Brock, Brock Purdy est donc, devenu relevant. Donc tu dis Brock, Brock Purdy va aux au Steelers ou il va aux... Au Washington Commanders, dis pas qu'il met les mêmes il va faire les mêmes stats. Au Buccaneers, je te dis qu'il peut faire des stats. Tu as vu Baker Mayfield aujourd'hui, Baker Mayfield a joué aujourd'hui. Oui, il je déteste, mais il a joué aujourd'hui. Non mais, on va sur Brady. Est-ce que tu penses que Brady sans le change d'équipe avec la defense qu'il a, avec les weapons qu'il a, va faire le même impact Il est meilleur que les trois QB de ces trois équipes là. Il va faire une plus grosse différence que ces trois QB là. J'ai regardé tu la table. Pickens. Pickens. Baker Mayfield. Pickett. Mayfield. Mayfield. Cousin? Et puis, non, ton boy est Non, mais là, c'est pas lui qui a joué aujourd'hui. c'est ah Sam Howell. Oh, Sam Howell. S'il vous plaît. <laughs> S'il vous plaît. Pour le reste, je peux pas dire qu'il est meilleur parce que le système de le système de 49ers, tu mets n'importe quel de ces qb là dans 49ers, il devrait shine aussi. Merci. À part Baker Mayfield. Merci. À part Baker Mayfield. Mais. Sérieux, yeah. t'as un running back qui court, genre qui fait du 5.6 verges par carry. Mm -hmm. Après ça, tu peux lui faire un petit dump off. Tu veux un petit dump off à, à tu veux faire des reverse avec Dibo. Puis là, tout d'un coup, oh shit, Ayuk est il tout seul. Puis tu restes encore, qui est comme option 19 pis, en 29. Puis tu regardes 220 verges. Trop tu regardes tôt. la défense, la défense des folies Ça va complètement shut down les styleuses. Euh, Une grosse différence. Mais je lui donne, il est efficient. Puis maintenant, il est relevant parce qu'ils ont tué. Lance, mm -hmm. comme celui-là, so il est relevant, ok. Je dis pas qu'il n'est est pas him, yeah, no, y est pas mais les polynômes ils ont, ils ont leur QB, comme c'est leur QB, genre pour euh, les prochaines années, ouais, comme ils vont pas de faire QB next year, là, comme c'est leur QB, à part que si tout d'un coup il devient méga horrible. Mais il n'y y a, y a rien besoin a, de penser Exact Il yes, yes. y a juste à jouer la game Il n'y a Et pas Gouda, besoin de forcer Je vais de couper Non Parce que tu as dit c'est leur QB C'est leur QB S'ils si payent les autres partenaires autour Si ils payent Dibo Ils payent Mekafui Ils payent Ayuk Ils ouais, payent Ouais non, non non Mais quand payent, Les mais gars C'est reste le QB mais, mais si les, si les gars sont bons les, les gars sont, ils sont déjà bons Mais, mais, mais c'est ça l'affaire Quand t'as un irrelevant Son contrat coûte rien n'ont pas besoin de <laughs> payer 230 millions Pax Mais lui s'il Il pense qu'il est irrelevant il va, devoir, il va demander un gros contrat. Il va comprendre real quick. Ouais. Et s'il bouge de, de là, il n'y aura aucun fame. Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'il est capable. Il, il t'a cap prouvé qu'il il qu est capable de jouer QB. Il n'est mm -hmm. pas au 8-1 uh, pour rien. Il ne euh, te lance pas de vieux mangos. Il ne te non. lance pas des vieux picks. Il ne court pas comme un, un, un imbécile, une poule pas de tête. C'est vrai. So, le gars, il fait qu ce qu'il a à faire. Il, il joue comme les... Stéles Stileuse. C'est une équipe qui est comme habituellement. C'est mm -hmm. un defense qui est sound. Il sait ce qu'ils qu font. C'est une bonne team là, les teams à Tomlin tout pour le temps, moi, hein. ils les ont massacrés là. Ils ont ils ont pété les, ils ont avancé comme ils voulaient. Oui, il y a beaucoup de weapons. Offensivement et défensivement. Oui, mais pour une année sont stack. Mais c'est pas un, comme je veux dire c'est pas il euh, y a des QB qui jouent que je pense sont pire que lui là. Absolument. Bon, c'est ça, soyez correct. Mais pour bon, n'a ça, a pas besoin de elite QB. Exact. Correct. Mais il est relevant. Mais parce event, que si tu sais leur QB. QB, tu peux plus payer tes autres gars. Voilà. Donc, voyez mystery Irrelevant, fais y lancer des Bro, y lancer des slams, des outs, des, des swings, on s'en fout. Le gars il va les lancer, il va pas lancer de pick, that's it, that's all. Tu gagnes la game à la fin de la journée, c'est le gars qui fait le moins d'erreurs. Puis il fait pas d'erreurs. So... Ils ont style, euh, comment ça s'appelle? Tread Williams comme left tackle, ils sont le meilleur left tackle du oh, ouais. so... vrai. c'est vrai. pas besoin de, c'est pas obligé d'être sur tout le monde. On n'a pas besoin d'avoir de dans store partout. Juste que il faut que Yo, la team job. fonctionne. Puis il fait sa job. Pax, voulez-vous faire la prédiction? Oh euh... by the way, avant qu'on fasse une prédiction, tu as dit que les Phoenicians sont vraiment stack. Plus stack que les Eagles? Mm, oui. Mm. Ben parce que les Eagles ont perdu beaucoup de joueurs en défense. Mm. Plus plus stack que les Eagles, Laurent? Never. We are <laughs> built different. Okay, non, tu veux dire si que vous êtes oui. meilleurs mais ils ont plus de noms. Ils ont plus de noms les Phoenicians. Quoi ouais, c'est ça? Oui oh, ils sont stack. Mais nous on est solides, là. On est solides, <laughs> solide, nous. Non oh, qu'est-ce que ça? On n'est pas solide, rien comme ça. No comment? C'est ça, ça. Eagles for the win again and again and again. Là, on mène sur les Patriots 16 euh, à 0. Comme là, là, on a mis le second unit. là. Comment que c'est facile? Mm -hmm. <laughs> <laughs> All right, prédiction. Prédiction pour... Pour la next week. Next week, j'étais en pas regardé, mais vas-y. Non, je vais avoir, on va prendre quelques Kegging intéressant, dont Eagles versus Vikings on Et Thursday. Eagle, ouais, ouais comment je, <laughs> 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 je finis je finis qu'est-ce que tu dis The, en plus t'as dit Thursday night, Eagles, Thursday night. Eagle. je sais qu'en uh, Thursday night d'habitude c'est un peu trappy les games ouais. mais c'est la kryptonite avec Puis Cousin je sais que Cousin a pris un bâton l'année passée contre Ouh. les Eagles en Monday night Ouh. mais il y a les Eagles a... Like, le... Vax les Vikings je fais les Vikings all season. donc so, Eagles Eagles moi aussi je, je déteste plus les Vikings que je déteste les Eagles même pas... si tu, nous... si tu m'écoutes si tu nous écoutes c'est très bien que c'est les Eagles de base. Non, que cousin il est juste. Que cousin c'est sa kryptonite. Lui, c'est. Kukosin, c'est ce gros Coke, là. comme... Euh, il <laughs> n'y a pas <laughs> de calories dans ses affaires. <laughs> c'est fou. Cook 0. 0. Cook 0. Il donne des bails, mais. <laughs> ça ne mène à rien. Ça ne mène à rien. <laughs> il donne des stats, mais. Faut fun. Euh, autre game intéressante euh, euh, Baltimore, Ravens contre Bengals, Cincinnati. Ouh. ça c'est tough. Moi, je vais suite aller avec euh, mes Ravens. Chamboy euh, et Lamar. Joe Burrow n'est pas encore back. Là, les euh, Ravens ont gagné leur game contre Texans. Texan, C'est une équipe irrelevant, on le sait. Bah, ils ont still gagné. Lamar n'avait pas leur back non plus. Et non, non, non. <laughs> non, Lamar avait non avait la... <laughs> il y avait, non, avait la horrible aussi. Mais il était mieux que euh, Joe. Ouais, mais ils ont joué contre une pure team. Mmh, pire team. Vraiment. Une des pires de la NFL. Au moins, Cincinnati jouait contre une team de division. Là, comme... mmh, dans une vieille température. Il faudrait. Pleuraient... Les Bengals, okay. je ne sais pas s'ils peuvent commencer one and two. Mais je veux dire, perdre deux games de division back to back, c'est tough. Dans les cinq dernières années, ils ont commencé au one and four. Ouais, c'est vrai pas que l'année passée aussi ils ont mal commencé. Mais les Ravens. Mais je pense que ça va être la victoire qu'ils vont avoir. Les Ravens c'était pas, c'était pas all that. C'était pas impressionnant. J JK Dobbin, c'est toi qui lis, apparently. Season, out of season. C'est pas encore confirmé, mm. mais. C'est fini, c'est fini. C'est fini? Mm. C'est pas confirmé, C'est fini, 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 fini bro. I'm telling you, c'est fini. <laughs> mais ils ont toujours besoin de running back de toute manière. Ils n'ont toute... pas besoin, ils n'ont Just... pas besoin de running back. Nah, ils ont la mort. Ils ont la mort, exact. Justice Hall, il a pas pire. Hill. Hill, Justice Hill, heal, Justice hein. Hall, je ne sais pas comment il s'appelle. Hill, Hill, Hill. Et puis les autres games sont pas très intéressantes. Euh, je vais en prendre une, juste pour en prendre une, vu que c'est ta team. Euh, Bills contre Raiders. Parce que Raiders, là, ils jouent quand même bien. C'est présentement euh, 10 à 6 contre les Broncos. Les so, Bills. Les Bills. Bills. Laisse-moi regarder s'il n'y a pas une meilleure ils game. Ils jouent contre ça. les Broncos. Je crois bro. les Bills, pour de vrai. Meilleure game? Bah, ouais, non, oui, oui, dans Week game oui. il Meilleure game. Jets contre Cowboys. On n'a pas indiqué les Jets. Jets, c'est de Monday Night. Jets, Je ils pas... jouent Monday Night. Je ne peux pas savoir si. Okay, okay. Contre les Bills. Contre les, ouais. les Bills. Ah, ils jouent encore. Okay. Ça, tu vois, ça, c'est notre autre game que tu pourrais faire une prédiction. C'était là de ce lundi. Ce lundi, ok. Jets Demain? Bills. Demain, yeah. Division game. Bills. Il n'y que ça. Aaron Rodgers, first game of the season. Ok. T'as dit Bills Bills. Bills. Kaza. Bills. Bills aussi. J'aime pas Allen, mais c'est drôle. Jets. Yo, oh, je peux pas être dans le train, j'ai quitté oh, <laughs> te... okay? mm -hmm. le train. Ah, j'ai. Je le train, ok? Tu vas rembarquer, tu vas rembarquer. Jets. Tu vas rembarquer. T'as tu-tu train, hein? J'ai déjà. <laughs> j'ai <laughs> déjà. <rire> <rire> mais là, c'est comme j'ai deux evos, genre, j'aime pas les Bills, j'aime pas les Jets. Mais je believe pas aux Jets. J'ai déjà dit que je, je pense que c'est la troisième meilleure team de, la... de sa propre division, sauf je <laughs> suis <laughs> obligé de prendre <laughs> les Bills. C'est true, je veux dire, c'est <laughs> pas un bad que Yes, vois yes, Gary Wilson. Garrett Wilson avec, avec Rodgers, la connexion va être solide. Non, vrai, je m'attends à ce que Garrett Wilson soit le nouveau euh, déventé Adams de Aaron Rodgers. Right. Mm. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus, plus d'un North, là, il n'y a plus contre les Bears. Puis il dit ah, on you, là, il n'y a personne où il est. C'est dead. Non, puis il est dans une, une conférence vraiment plus tough que l'autre. Ouais, c'est ça. So. Je, vais aller avec, Écoute, euh, je vais aller avec les, les, les Bills. Si c'est un MVP, si c'est un Super Bowl champion, t'as pas de problème. Yeah. I have to say. On, connaît, on sait est qu est ce que Aaron Rodgers fait en playoff Choke. bon euh, <laughs> on va essayer de, de sport Un vous d'autres sujets sur la, la NFL no. non uh, well, first good week uh, c'est une des lowest scoring first uh, week bah, elle n'est pas terminée là, mais je veux dire le one o'clock game wow, les teams étaient ils n'ont toutes pas marqué man rusty yeah, wow, wow, ça se wow. voyait que c'était rusty la preseason, alors, la... je pense qu'il y a un shorten la preseason. Ouais, c'est trois games puis il dégage ou pas. Ah, Anyways. Ah, c'est vrai. Ça, 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 ça se voit. Ça se voit vraiment beaucoup. Alright, NBA. NBA, il n'y a rien qui s'est passé encore. On va parler de la, 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 la FIBA. Mm -hmm. uh, World Championship. Uh, yes. Uh, vu qu'on est canadiens, on va parler des Team Canada qui, sont et qui ont été troisième mm -hmm. et ont battu Team USA. What's up now? Trash. What's up now? Trash. No, 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 no. What's, what's happening? No, no, what's dire, what's happening? Non, non, Je vais pas dire, Non, c'est oh, pas leur what's meilleur up team. C'est pas leur meilleur team. I don't care. <laughs> World champion of what? <laughs> The United States? <laughs> yeah. Il <laughs> a bien dit. Moi, oh, moi on a gagné. Okay, Donc, on a gagné contre le B team. Tu aurais pu gagner contre le C team. J'en ai rien à foutre. Nous aussi, c'était pas nos meilleurs joueurs. On avait des bons joueurs. Ok, Ziggy qui manque. Murray P. Wiggins. R.J. Barrett. Il est là. Joubert était là Murray Mark Murray Puis Wiggins c'est tout Murray c'est un champion Et okay. Wiggins c'est tout champion Ok C'est pas grave C'est pas comme si, si. <laughs> Yo tu, Ok tu mets les meilleurs joueurs de, Des States on va dire que Barrett est Murray. et Murray. Je, je voulais dire Jam, <laughs> bah ja John Moran. le je, je voulais dire John. Je voulais dire John. Ja. John. Ja. 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 Ja est américain. John ja, est, ja, est américain. Non, il n'est pas canadien. No. Non. Non. <laughs> il a essayé des ding comme un ça. ça, c'est américain. on est bien élevés, nous, les Canadiens. Je crois qu'on a Dylan Bruce. Ouais, mais Dylan Bruce, il joue à rôle. C'est parce que c'est John Moran qui a déteint sur lui un peu. Regarde. C'est exactement. OK. Moi, je vous dis, comme pourrait C un, c'était FIBA. Okay? Mm -hmm. Comme les States, ils prennent pas ça au sérieux comme ça. Ils font comme s'ils prennent ça au sérieux, mais ils prennent, ça, ils prennent pas ça au sérieux. So, Là-dedans, c'est les équipes qui ont les meilleurs big, plus ou moins. Les forwards vont gagner. Les règles sont aussi différents. Les States n'avaient pas de, de big. Vas-y. ce qu'il y a, ça? Voilà, ouais, l'important c'est sur pixels. Bah, est... Lebron James a dit qu'il allait jouer ouais. aux Olympiques. Là, les... les... Ouais. ouais si. là, ils vont mettre leur a -team, Ils vont mettre leur a -team. plein de gars qui sont là, ils sont en train de regarder, puis ils vont juste pull-up. Ils vont juste aller un jeu pour les team ouais, USA mais Olympique. Des fois, des les super teams, ça marche pas. Hein? On n'est plus en 93 avec euh, MJ. Ouais, La peur, c'est que les States ont besoin de big. Ils n'ont pas de big. Le Canada n'a pas de big non plus. C'est un fake big, leur big. C'est un, un fake big, leur big. Qui ça Eddie Non, mais il n'était pas là dans FIBA. Non, mais je mais parle aux Olympiques. Olympique. C'est Olympique. still, still un fake big. On, dit encore, pourrait, on, on appelle encore Eddie comme le big des de, de, de team Olympique USA. Quand tu dis que Eddie c'est le big de Team USA, ouais. t'as un problème. T'as un problème. C'est ça le problème. Il, clairement, elle va se manger par Embiid, il va se faire manger par Joker, il va se faire manger par tous les vrais bigs, va se manger par. c'est Team USA. Là. Ouais, mais je veux dire, si tu mets des gars comme Steph Q, Brown James. Mmh. Oui. Kevin Durant, oui, oui, <laughs> oui, oui. Tout, oui, tout ensemble. Les points, les points vont rentrer. C'est sûr qu'en question de points, devient... outside de paint, on va les manger. Oui, mais coup. les règles sont différentes. Il call, callent des fautes. Dans l'NBA, ils donnent des fouls gratuits. gratuites, donnent des, ouais. des soft fouls. FIBA, ouais. ils donnaient pas tous ces, ces phases-là. Les gars étaient fâchés à la fin de la game. You non, mais quand tu regardes les gars dans, les gars dans, euh, dans Team USA live, le meilleur score, le meilleur scoreur c'était Anthony Edwards, mais il ne faisait pas 18 points là. Ça so, comme oui Anthony Edwards est un bon scoreur, mais Anthony Edwards son game moi je trouve il est lacking parce qu'il n'y a pas de mid-range. Il fait toujours des 3 points où il drive, comme il n'y a pas un mid-range, in-between game. Il a un peu travaillé live, mais dans la team, ils n'avaient pas de fight scorer. Ils n'avaient pas un gars comme go-get-buckets comme quand tu veux. Team USA a plein de gars go-get-buckets là. Tu regardes dans Team Canada, on a Shai Shai, lui faisait des points. Dylan Brooks a fini la game contre USA avec genre 39 points. Dylan Brooks là. Mais ça c'est une question. Est-ce que Dylan Brooks. Est-ce que Dylan Brooks gagn... gagn... s'est fait donner un contrat à cause de ça? Non, pas pour ça. <laughs> ah, absolument est pas. Est-ce qu'il va se faire signer par une team? Non, la question, c'est est-ce que Dylan Brooks est important de la... pour Team Canada? Yo, après 39 points, <laughs> oui. I didn't know this information. <laughs> but yes, he is. Yeah, parce qu'il a dit, il est le best defender in the world. Non. Ben non. yo, dans le FIBA, il hey, y a un shutdown, donc à Notich, Notich s'est fait expulser parce qu'il était énervé. Mm, okay. um, Dylan Brooks aussi s'est fait expulser. Ouais mais on... c'est ça son but. <laughs> a il a fait sa job. <rire> 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 il a fait sa job. <laughs> il a fait sa job. 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 Il a fait 39 points bro. Il était sale en NBA, il a 9 faire des bricks sur bricks ou bricks. Y a-t-il une équipe qui l'a signé Bado Il y a Houston. Oh, Houston, il va y faire mon gars. Il va jouer. Si Arden va bah n'importe où, l'équipe va nulle part. <laughs> l'équipe sera en play-off play ben ça finit fini là. <laughs> Ils vendent des tickets. Oh Il me dit qu'il a une job? Bah, yanda, oh, ouais, il est en à Houston. Ah ouais, Houston! C'est sûr. Mm -hmm. mm -hmm. Non. Yeah. Facts. Mais je pense pas qu'Hudoka veut Arden. Mm -hmm. Il veut des hard workers. So, je sais pas s'il si veut Arden comme joueur comme ça. C'est pas son style de joueur. Like, uh... Ouais. mais pour revenir au team Canada, je ouais. ouais. pense Canada c'est la première fois ils ont une, une médaille. So, je pense ils étaient plus motivés que les States. Je pense que les States au le moment qu'ils ont perdu, ils pouvaient pas gagner l'or. Ils, <laughs> ils avaient fini avec le tournoi, Au ouais. tournoi NBA. Ouais. Canada ils ont gagné ça, ils sont qualifiés pour les Olympiques. Euh, est-ce que je pense, est-ce que une autre question, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent gagner une médaille aux Olympiques au basket? Canada? Ouais. Oui. oui. Dans la prochaine, olympique aux Olympiques, ils finissent avec une médaille. Ils peuvent. Ils peuvent. La Serbie, c'est top. Moi, je pense qu'il devrait mettre Bénédicte, là, Parce que dans le FIBA, euh, de, euh, Giannis n'est pas là. Pas que je pense que la Grèce va gagner, mais Giannis n'a pas joué. Mm. Serbie a battu le Canada sans Joe Kitch. Kitch Joe n'a pas joué. Sans Joe Kitch, Ils ont mal mené le Canada. Là, comme le Canada était favori contre la Serbie, puis la Serbie les a pété comme « from the jump mm ». -hmm. Puis euh, USA vont être le meilleur team. Allemagne, j'ai vu avec Shrew 2, puis Von Wagner, tout de coup, il jouait bien. Puis, il y a Espagne qui est toujours emmerdant. Puis, il y a la France qui pourrait avoir Joel Embiid avec Wembe Nyama. Aujourd'hui, c'est fini. Ça c'est plus de Ginobili, c'est C'est dead, c'est Écoute, moi je dis, BNedic va faire un changement. Il était pas dans la team. Tu vois ce qu'ils veulent rajouter dans la team? Ils ont pas le choix. Mais c'est un dog, là. Mais ils auraient pu le mettre dans cette team-là, ils l'ont pas ouais, mis. Mais il a pas voulu. Il voulait pas. Moi je pense que Benítez, c'est ça, parce que moi je pense que Benítez aussi se prépare pour la NBA. On a vu que c'est un dog. On l'a mm -hmm. vu là, comme pour vrai, si on le mettait on laissait jouer 38 minutes. Il y aurait average 26-27 points. Il va jouer cette année. C'est une recrue C'est C'est ça. 22. Ça? 22. Non, 22. Bah, 27, c'est fou. Bro, le gars, en 24-25 minutes, il faisait 17, 16, points, ouais. 17 il était pas, points. Il n'était pas nominé pour... Il est pas nommé pour euh, bah, son... Rookie of the Year. Et voilà. voilà. Il va Mais... avoir des minutes l'année prochaine. Quand je dis, c'est un dur, Le gars s'entraîne fort. On a vu des, des training camps avec Clay. On voit des petites vidéos. On voit que le gars, il est là pour tout rafler. Tu le mets aux Olympiques. Lui, avec Murray de plus, là, t'as deux top... Ben, t'as deux gars qui peuvent squarer. Yo, t'as déjà... Yo, on a besoin de fucking PSG. big. On, on a besoin n'a pas de big. big, bro. Bro. Ben, on pas de big là, si t'en as pas de big, on gagne pas de, de... <laughs> minutes. C'est comme Team USA. Nous, on n'a pas de big non plus. Non, on peut non, pas gagner. Team USA, ils ont des semblants de big. Ils ont des... Comme, leur semblant de big est meilleur que notre big. <laughs> <laughs> okay. T'es insultant, toi. T'es insultant, mais... Yo, aussi, qu'on a doit être Powell, Olynyk, c'est un gars skillful. J'aime bien Olynyk, il peut shoot, il, il va essayer de prendre les rebonds, mm -hmm. mais my bad bro, comme il va bloquer personne. Euh, comme les States ont Jaren Jackson, mm -hmm. si ils peuvent mettre euh, Mike, euh, Michael Turner, mm -hmm. ils peuvent mettre euh, Anthony Davis s'il veut. Comme les gars peuvent jouer genre avec les gars peuvent jouer avec genre KD at center, puis ça serait plus imposant que notre fucking big. C'est vrai. Ou LeBron center. waouh c'est insultant. Bah, mais je veux juste dire à quel point nos bigs ne sont pas imposants. Ah, oui, 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 je comprends. C'est ça qui nous manque au Canada. Comme, on a une bonne team. On a des bons guards. Mm -hmm. On a des forwards. Je ne sais pas pourquoi Wiggins ne vient jamais pour Team Canada. Parce que comme, je pense que Wiggins, tournerait au peu Barrett, mais les deux peuvent jouer en même temps. On va dire tu fais un line-up, Murray, Wiggins, Barrett. Il nous manque juste un centre On n'a juste pas de big. je Comprends Si on a un big, au Canada, on, on est seconde. Second. OK, on est top 5 team in the world. Yes. Mais là, on est, on est quand même dans top 5. Ouais. On a gagné le FIBA. On, si on est, on est top 5, mais on est peut-être 5e sans big. Avec un, avec ouais. un big, on est peut-être top 2. Peut-être premier ou deuxième. Ouais. Okay. Bah, bah, on n'est pas premier, définitivement. Tu ne peux oui. jamais dire que tu es premier quand il y a l'USA. Oui. Faut bah, que tu les battes faut tu gagnes les olympiques. On a, battu, on a battu Team B. Là, on va pouvoir pouvoir battre Moi, c'est Team BC, là. b là. C'est ouais, B-. <laughs> c'est B-. C'est B-. C'est B-. C'est quasiment C. C'est correct. C. 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 Comme je suis pas surpris qu'ils ont gagné, là. Je sais, comme... Euh, Canada a dû être... Comme le meilleur joueur dans cette game, était mmh. shy. shy. On oui. avait le meilleur joueur des deux teams. bah je pense du tournoi, là. Même si Shooter a joué un gros tournoi. il y avait Donchich, mais il s'est fait éliminer. Mais je veux dire, en de cette game entre USA Canada. Après l'année passée, le... tu... je veux dire, Dunchit, oui, tu le sais que Dunchit est meilleur que Shea, mais mm -hmm. après l'année que Shea a eu Non, Shea, c'est un superstar, il mais je veux dire, quand tu regardes. il dans... n'est Pas une méga star. Ah, il n'est pas, pas une méga star, mais c'est une star. Comme puis le monde le voit, là comme le gars a vu comme 27 points, comme 6-6, comme... les gens le voient comme faire les affaires qu'il fait, mais il joue dans tondeuse puis les gens ne respectent pas. But! Comme ça, son affaire monte. Mais Doncic, c'est style genre. Il peut checker un 40 points, tu peux le double là. So. Wow, il ouais, est pas Je dis bien oui. Doncic est le meilleur joueur du tournoi. était le, le le meilleur joueur. Mais entre USA et Canada, je pense que le Canada avait le, joueur. Avait le, le meilleur joueur. Le USA a le plus de bons joueurs. Mais le Canada a eu le meilleur joueur. Entre les deux teams. Ok. Euh, soccer, il y a eu des quelques internationales. Euh, on peut les skip. Ouais. Je m'allais dire, euh, le 19, Champions League commence. Woo! So euh, on va en parler la semaine prochaine, yeah. avant, juste avant que ça commence. Euh, en gros, il y a eu le, le draw de, des groupes. Yep. Il y a eu une coupe de groupes qui sont intéressants, parce que Napoli joue contre Real, Bayern joue contre Manchester United, mm -hmm. et après, il y a le groupe de la mort qui est absolument pff, dégueulasse. Il y a ah, deux groupes top, je trouve. Deux groupes, tough. Il y a un groupe un groupe de la mort, mais il y a un autre groupe qui est quand même dur. Je vais regarder l'autre groupe, là, mais le groupe de la mort que je, que je trouve il est juste hallucinant, ça fait aucun oh. sens. Le chat va venir comme, okay, ça. comme ça. Et. Ok. Oui, il est à l'aise aujourd'hui. <laughs> ok. N Newcastle, ouais. AC milan euh, Borussia-Dortmund, puis Paris-Saint-Germain. God damn! Les quatre dans le même groupe, mon gars c'est si qui toi ça va passé moi je dis premier AC Milan okay. on va être capable de battre PSG parce que PSG présentement sans Ben, je veux dire Neymar Messi devait partir parce que ça marchait pas mm -hmm. là ils ont Dembélé Colomwani, puis Mbappé on va voir ça commence à marcher ils ont deux trois semaines pour arranger tout ça euh, moi je dis euh, AC Milan puis euh, PSG Newcastle à Milan. ans. And you can, don't sleep on Newcastle, il y a une bonne team. Regarde, moi je suis. Moi, regarde. Bayern et 6000 Borussia Dortmund. Oh, est Bayern Dortmund. est dans un autre groupe. Non, Borussia. Oh, laisse-le faire, laisse faire. Regarde, moi, PSG, je, je suis un firm BVLV que Ligue 1, ça ne devrait même pas être une top 5 Ligue. Okay. C'est plus une top 5 Ligue, Ok, ben. oh, what? Non, ça a été, ça a été descendu. Bon, il était temps, OK? Ça Pense fait, euh... <laughs> fait peut-être, comme, pour le vrai, ça peut-être 5 ans, je dis ça, comme, tu vas en Ligue 1, tu vas en, en Champions League, puis comme, tout le monde, t'as monté, genre, comme de 5 classes, genre. C'est juste que PSG avait les meilleurs joueurs. Là, ils perdent des joueurs, mm -hmm. puis déjà, ils perdaient, même quand ils avaient un sous team. Là, je suis comme, n'importe qui peut les battre, là. Comme... Vrai. Je vois pas l'autre groupe que tu parles, Niki. bien un autre groupe que je trouve quand même top. Il y a groupe Celtic, Latio, Madrid, Fenayord. Fe, Benfica, Inter, Salzburg, Sociedad. Non. Napoli, Madrid, Union, Berlin, Braga. Oui, peut-être c'est qu'ils sont équilibrés. Celles de Sociedad. Arsenal, céville yeah. Andover, puis Lens. Non. Non, il n'y a pas vraiment d'autres. Euh... Il, il y a des clear winners dans tous les groupes. Mais celle -là avec Sociedad, je trouve. Salzbourg, c'est Et... une team qui est capable de gagner des games. Ouais. Euh, Sociedad, c'est une, pas une mauvaise équipe, même en Espagne. C'est comme si c'est une équipe que genre. Ouais, Benfica fait tout le temps des surprises. Ouais, ça Mais Je peux arriver, que... tu sais pas qui gagne. Comme mais... ils sont équilibrés, c'est pour ça que je trouve qu'ils sont top comme, comme pool. Je vois un taille, puis Benfica gagne ce groupe-là, hands down. Ouais, voilà, c'est. Alright. Yup. C'est tout. Da ah, mais j'avais une des... question ah, bah, d'ailleurs. J'ai une réponse. Euh, Messi ou Allan pour. Euh... C'est quoi le Ballon d'Or c'est quoi? Ballon d'Or. Ballon d'Or. C'est Hands down Messi ou Allen a un case. Ils vont le donner, ils vont le donner à Messi parce qu'il a gagné la Coupe du Monde, mais Erling Allen le mérite tellement beaucoup plus. Ouais, clairement. Clairement, mais, Alan. Alan a gagné euh, Messi a gagné comme deux cop matchs à un MLS déjà. Là. Pas que la non, MLS, c'est pas la important. M, la, la MLS, c'est une ligne mineure, malheureusement. Ils vont le donner <laughs> à Messi. Ils vont le donner à Messi parce qu'il a marqué cinq tirs de pénalité dans la Coupe, Monde, la Coupe du Monde, puis il a gagné la Coupe du Monde, puis ils vont le donner à Messi. Ouais, parce qu'il a, le... a, pas... qu a fini avec le plus de buts. Dans la Coupe ouais, du Monde ouais. Je pense... Bon, en tout cas, il a fini avec le plus d'assists, hein, c'est straight. Ouais, mais je... il, y un, il y a eu un bon tournoi. That's it. Ouais. Il y a pas eu une bonne année. Il y a eu une correcte année. Non, il a fini avec... C'était le top assist euh, player dans la Ligue 1, hein, même si je viens de dire c'est une vieille Ligue. C'est une trash league. Puis, mais... il jouait avec Neymar puis Mbappé, ça. Tu ouais. devrais tout le temps être capable ça. de... Mais, de vrai, Alan c'était pas là dans les top stage Bro, il a gagné bad. le trouble il a gagné la Champions League il a gagné la, la prime il n'y avait pas le choix de gagner le trouble c'est ça ou rien. j'avais dit c'est ça ils sont foutu no. so, c'était expected qu'il fasse ça mais il l'a still fait il a été le meilleur marqueur de l'année il, la il a shot eu... down en finale Yo, moi il, 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 il a jamais show up dans aucune finale Erling Haaland ça, ça c'est mm, fact ouais. dès que c'est une finale semi-finale il show up pas c'est un ghost mais Messi a fait des stats. Il a fait les stats durant toute l'année. Ouais. Moi, je trouve qu'il mérite plus que Messi. Mais malheureusement, ouais, c'est euh, Lionel Messi. C'est politique. C'est la Coupe <laughs> du Monde. <laughs> puis, puis Alan a ce record aussi. Hein? Plus de buts en moins de games. Ouais. Il y a, a eu le le plus, plus ouais. de buts dans la Premier League. Après, ever Après qu'il a dépassé ce record-là, le régime a baissé. Là, parce que... Puis Pep le faisait bench ouais. après qu'il marquait des, ouais. des buts. So, moi, moi, je le donne à, moi, personnellement, je le donne à Erling Haaland. Ah, parce que la seule chose qu'il avait à faire c'est de mettre le ballon dans le but quand on a besoin de lui was it there c'était un team c'était oui il faisait un début mais c'était un team c'est pas comme s'il gagnait les tous les games 1-0 je, le je, le je le donne à KDB avant que je le donne à Messi God damn. ok KDB, KDB je le donne à KDB avant que je le donne à Messi tu peux pas donner un, un award de oh, toute l'année pour 2 mois oui <laughs> pour 1 mois parce que World Cup ça vaut comme 4 <laughs> T'as pas le choix. Moi, ça vaut 4 heures comme gagner le World Cup. Ouais. Je peux pas. Je peux, peux pas. Non, je veux savoir, mais c'est euh, Alan Messi. on demande on, aux fans. On si va ça pas... va à Alan, comme, on va revenir là-dessus. Comme... <laughs> on, <laughs> on va demander aux fans ouais, ouais. l'opinion. À qui vous donneriez la, euh, le ballon d'or Alan ou Lionel Messi Messi d'Inter Milan. Inter Milan. C'est juste psych. Crash. All right, guys. All right encore deuxième ben premier épisode officiel la nôtre c'était un puits yeah. un, 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 un pilot un pilot c'est ça back euh, première semaine yeah. uh, like share follow subscribe merci de nous écouter on apprécie comment y a comment, oh yeah, comment. <laughs> et puis on est sur Spotify uh, uh, Spotify uh, Apple my god Apple Music Apple Music non pas Apple Music Apple Podcast Apple Podcast, Apple podcast. Um, et that's, puis YouTube yeah yeah that's it alright guys We out.